À l'aube d'une nouvelle ère pour l'éducation, les gouvernements du monde entier se sont engagés en faveur d'une vision. Éducation 2030, vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. Mais les systèmes éducatifs d'aujourd'hui préparent-ils adéquatement les apprenants au monde de demain? Notre monde change en permanence. Rapides avancées technologiques, mobilités accrues, changements démographiques, accroissement des inégalités et dégradation de l'environnement. Tous ces changements affectent au final la manière dont nous vivons et travaillons. Cela signifie que nos systèmes éducatifs doivent préparer les apprenants pour des emplois qui n'existent pas encore. Et certains disent même que dans peu de temps, les machines nous remplaceront dans de nombreux emplois. Nous ne parlons pas seulement du travail manuel, les machines développeront aussi d'autres compétences essentielles à la réussite de nombreux emplois de services et de bureaux. Bien sûr, aujourd'hui, tous les apprenants doivent connaître les bases, telles que la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Ils ont aussi besoin de compétences techniques et professionnelles qui les prépareront à des emplois spécifiques dans l'agriculture, le design, l'artisanat ou l'informatique. Mais ces compétences sont-elles vraiment les seules dont ils ont besoin? Il y a d'autres compétences qui sont importantes dans le monde d'aujourd'hui. Et elles ont reçu d'innombrables noms, compétences non cognitives, compétences douces, compétences du 21e siècle, compétences transférables et compétences transversales. Tous ces termes causent énormément de confusion, mais qu'ont-ils tous en commun? Prenons un peu de recul et regardons les choses dans leur ensemble. Tous ces termes font référence à une idée générale et une perception que nous sommes tous capables de comprendre. Un large éventail de valeurs, d'attitudes, de compétences et de comportements, comme la communication, le leadership et le travail d'équipe. Alors pourquoi sont-ils si importants dans le monde d'aujourd'hui? Pensez-y, dans tout type d'emploi, que nous soyons dans la politique, la direction, l'enseignement ou le commerce de rue, nous devons être ingénieux, persévérants et avoir l'esprit d'entreprise. Ces compétences sont vraiment pertinentes pour chacun d'entre nous, peu importe notre parcours, notre domaine de travail ou notre statut social. Si nous voulons vraiment bâtir des sociétés plus pacifiques et prospères, nous devons non seulement commencer dans la salle de classe, mais aussi avec l'individu, pour que les apprenants puissent développer leur pensée critique, leur créativité et une curiosité d'apprendre. L'éducation doit préparer les apprenants à vivre ensemble, en développant empathie, tolérance et respect envers la diversité. Mais malheureusement, la plupart des systèmes éducatifs sont loin d'équiper les apprenants avec ces compétences essentielles. Alors comment pouvons-nous en faire une réalité? Tout d'abord, ces compétences doivent devenir une priorité dans les politiques éducatives et reconnues dans tous les domaines du curriculum. Les enseignants doivent être soutenus et équipés de stratégies novatrices pour qu'ils deviennent des facilitateurs de l'apprentissage et pas seulement des transmetteurs d'informations. Ils peuvent alors encourager leurs apprenants à travailler en équipe et à s'harmoniser avec le monde qui les entoure. Nous avons aussi besoin d'évaluations qui, au-delà des tests et des examens, donnent de l'importance à ces compétences pour véritablement refléter leurs nombreux talents et leurs capacités. Chacun d'entre nous, que nous ayons un rôle de décideur, éducateur, parent ou élève, doit agir. Comment les systèmes éducatifs peuvent-ils alors suivre ce monde en pleine évolution? Comment peuvent-ils mieux préparer les apprenants à mener une vie plus heureuse, plus saine et plus productive? Et comment pourraient-ils véritablement contribuer à un avenir plus pacifique, équitable et durable? Donnez-nous votre avis.